Ça ressemble à un coup d'État au Yémen. On ne connaît pas le sort du président Hadi, mais des combats féroces ont lieu dans la capitale, Sanaa. Une puissante milice chiite s'est emparée du palais présidentiel et encerclait plus à l'ouest la résidence du chef de l'État. Un responsable houthi affirme qu'ils n'ont pas l'intention d'attaquer le président et sa résidence. Les houthis, c'est le nom des combattants de la milice Ansarwala qui contrôle depuis septembre une grande partie de la capitale. À l'ONU, le Conseil de sécurité est réuni en urgence. L'instabilité au Yémen profite aussi à la branche yéménite d'Al-Qaïda. Considérée comme la plus dangereuse du mouvement, c'est elle qui a revendiqué l'attaque contre Charlie Hebdo.